Bonjour. Alors. Ah. Ça, c'est bon. Hugues, je termine mon petit-déj. Comment tu vas, monsieur Tremblay? Finalement, hier, on ne t'a pas vu revenir. T'es parti en mode ouais, je reviens, vous inquiétez pas, je vais tous vous mettre la misère, et puis finalement, plus personne. C'est plus un repas de fin de nuit à travailler, ça. Bon, je te fais confiance, mais il se trouve que je vois les gens qui posent mille et une questions de point de règle sur Summon Kane. Et je me dis, waouh, je pense que je vais m'acheter deux boîtes de Doliprane. Je veux bien que le jeu ait l'air ouf, mais que l'immersion soit là. Mais par contre, je pense qu'il va falloir prendre les boîtes de Doliprane avec, ouais. Allez. Oui, ils savent pas lire une bonne partie, ouais. Ouais, c'est ce que je me dis. Je me dis, j'espère être légèrement. Ah oui, alors on va pas faire de Mystéa aujourd'hui, on va. C'est moche le Mystéa. Faut vraiment que je le fasse, mais. Ah si, allez, Mystéa quand même. On va reprendre Mystère. Mais il faut avancer Mystère. Ouais. Un petit coup de noir là où il n'y en a pas. Là où j'ai pas réussi à aller avec l'aéro que j'ai fait la chaîne. Hop, SOE. Un petit peu de noir. Allez, Matt Black. Ici, c'est que le livre de règles suppose que tu sais jouer. Ouais. Idéal, c'est une ou deux parties solo pour déconstruire le truc, puis tu reviens sur le livre de règles. Ouais, ok. Un seul gros problème, c'est qu'au bout d'un moment, en général, j'ai tendance à lire, tu sais, les règles de Traviole, et quand j'ai un point de règle qui va pas, bim, je reviens dessus. Et ces jeux-là, en fait,
ne laisse pas du tout la place à l'approximation. Après, c'est à moi de faire le boulot, hein. Donc je dis pas, hein, ça va donner. Ah, il y a la place? Ah, bon. Le gars disait, ouais, par exemple, moi j'ai 4 ombres sur le terrain, mais il annonce une menace de 3. Est-ce que ça veut dire que j'ai une ombre de trop? J'ai fait. Ah. Ouais. On s'en est rendu compte aussi, ça fait partie un de mes défauts, moi, de. Ouais. D'accord. Ouais, Joan of Arc aussi, hein. Après, voilà. Est-ce que aussi, quand tu te dis que tu as attendu 2 ans pour ton jeu, est-ce que c'est pas normal de te dire, bon, j'aimerais des règles bien foutues, quoi. Après, en bon habitué de Warhammer 40 000 et de Warhammer AOS, j'avoue qu'aussi les règles alambiquées où il faut aller rechercher les points de règles au mauvais endroit, ça me connaît. Donc ça me fait pas plus peur que ça. C'est juste que, en effet, comme tu dis, il va falloir que je fasse des parties solo pour dégrossir, pour ensuite reprendre. Hola, by the way, if you're an English speaker, well, don't hesitate to ask questions, make remarks, I'll be glad to answer to any. Si tu quieres, yo puedo hablar español también. Et oui, et si t'es là, caché dans l'ombre, tu peux aussi dire bonjour et papoter avec nous. C'est pas parce que nous parlons de Solomon Kane que nous ne pouvons pas dialoguer avec toi. Et il y a des cartes partout, c'est très dense, ouais. C'est ce que j'ai vu, ouais, il y a. Il faut d'ailleurs que je pense à en prendre. Oh là 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 là. Mais je vais avoir le temps de rien cet après-midi, ça va être dingue. Je ne sais pas. Ah, mais si, je peux passer par Casto cet après-midi. Faut que je regarde. Faut que je regarde.
Oh, ça va. Elle ouvre à 14. Ok. On parle tout de même d'un jeu où le concepteur te dit que T7 peut ajouter avec des bonus, des relances et des effets du jeu positif à discrétion du joueur pour moduler la difficulté. C'est pas Agricola. Yes. Oh là, moi je râle pas du tout. Oula. Tu sais l'ami, je ne râle pas du tout. Je suis un habitué des règles, de brouter des règles. Et je sais qu'avant on va se brouter d'autres bouquins de règles. Ah ouais. Non, j'aime bien regarder les retours qu'il y a, hein, tu vois, toujours, c'est... Je me dis, mais... Et avec la petite, c'est ça, tu vas jouer après au début? Enfin, avec, c'est ça, avec ta petite? Ouais. Ah. Ah, mais c'est excellent. C'est la bonne frustration, ça. La frustration qui dit, ah putain, je vais y retourner. La meilleure des frustrations, ça, quand t'arrives pas à terminer une partie, que t'arrives devant, ça veut dire que l'équilibrage est bien fait, hein, finalement. C'est comme quand t'arrives sur une escape game, que tu sais que t'es devant le dernier, que t'es devant le dernier cadenas, et que là, tu ne sais pas. Avec moins de 4 joueurs, c'est ça? Oui, ça je m'en doutais, mais ouais, ça pareil. C'est ça. Je pense que je vais faire l'apprentissage avant tout seul, en effet. Et après, je vais trouver 4 joueurs pour le faire. Ça, et ça, normalement, il l'avait quand même. Ouais.
Et alors, par contre, autre question. Est-ce que tu as le... Comment dire? Est-ce que dans le jeu, tu as le syndrome de l'alpha ou pas? Après, c'est ça. C'est alors en général, tu vois, je choisis mes tables de jeu souvent avec des gens qui vont avoir le même caractère. Moi, j'arrive, j'ai une tendance à être assez alpha, donc ça veut dire que quand il y a des, mais j'arrive aussi à me restreindre, donc ça veut dire que quand il y a des joueurs avec moi qui sont plutôt en mode passif, j'ai tendance à plus leur poser les questions de ce qu'ils veulent faire. Et bonjour à vous qui nous rejoignez actuellement. Bonjour à tous. Hola. Hello. Alors j'arrive pas à jouer solo. Après, il faudrait que j'essaye peut-être sur le long terme, tu vois, faire des let's play en solo. Ça, c'est plus. J'arriverai plus facilement à faire des let's play en solo, c'est-à-dire que je joue avec les réactions des joueurs, des viewers, pour travailler ma schizophrénie. Mais autrement. Yes. J'ai l'impression qu'il y a des élèves de fond de classe là. J'attends Monsieur U et je vais faire tous les yeux des golems. Ah, comment vas-tu, Monsieur U? Je viens de faire une invocation de Monsieur U. C'est facile de se moquer. Oui, mais c'est bon de se moquer. Surtout quand la personne est là. C'est encore mieux. Thank you.
vous boire le thé, monsieur? Tu me donnes envie de boire du thé. Ben moi, je bois du café. Moi, toujours café. Boire le thé, non. Alors, on a fini de repasser au noir ou pas? Ah oui. Donc, bah, prendre une photo. Quand c'est comme ça, prendre une photo. Ou sinon, faire des plateaux de jeu, tu sais. Tu sais, faire des plateaux que tu reglisses. Ah mais oui, c'est vrai, oui. C'est moche. Ouais, globalement, ils ont mis à manger, quoi. Hello Célestou. On devine qu'il faut démonter le plateau entre les scènes et remettre les vertus en place, mais c'est pas explicité. Ok, et à plus. Bah ah mais Jokerou il était là. Coucou Jokerou. Je t'ai même pas vu dire bonjour Jok. Jokerou il a dit bonjour à un moment. J'ai zéro affiche. Oh, oh merde. J'ai vu Jokerou. J'ai loupé Jokerou comme t'es de la même couleur que Rémi sur le chat. Quelle honte. Mmh. Ah c'est relou, c'est relou, c'est relou. Ah merde. A plus mon petit Jok. J'ai même pas pu demander comment il allait. Célestou, comment ça va, toi? Aujourd'hui, du noir. Ouais. Ah, je te jure, non, mais je m'en débarrasse. Ah, c'est cool parce que ce sont des chouettes pions, hein, quand même. Mais ce sont des pions. Ouais, là, je vous fais vraiment des sessions basiques. Je vous assure, c'est la dernière. À partir de la semaine prochaine, on reprend du dur. À partir de la semaine prochaine, on reprend Mythic Battle... non, pas Mythic Battle. Joan of Arc. Et Times of Legend, Joan of Arc. Et la semaine d'après, on reprend Black Rose War. Monsieur U. Comment va alors? I have my tea.
It's like mighty, but just with add to the might. But with mint, maybe. I'm not sure about what you're talking about. Hey, salut Alti, comment ça va? Aujourd'hui, elle a même le temps de venir dire bonjour sur le stream. Hey. Elle n'a pas le son. Here we drink only whiskey. Mais oui. Va y avoir ah oui, qu'est-ce qu'ils ont dit hier? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Parce qu'ils ont décidé de conquérir le monde encore une fois, mon petit Cortex. Ah bah c'est bien ça, confinement. C'est bon si vous êtes confiné. Au moins, vous pouvez sortir avec des attestations jusqu'à pas d'heure. Vous pouvez rentrer jusqu'à pas d'heure. Pardon, excusez-moi. C'est moche ce que je dis. Ah oui, mais ça, alors en fait, Célestou, le truc, c'est que ça a toujours été le cas, hein, avec les vaccins de la grippe. Et donc ça y est, ils commencent la vaccination, quoi. Et ils ont reparlé du passeport ou pas? Ou ça, ils le mettent sous silence pour l'instant avant de nous la mettre à l'envers? Pardon, on va pas en parler non plus des heures. Hein. Parce que je vais commencer à être énervé. Bien sûr. Alors ça allait nickel, sauf que, bah, par exemple, en pharmacie, ils avaient du mal à avoir leur vaccin. Mmh.
15 minutes de surveillance pour vérifier que la personne tombe pas dans les pommes. Et après tu le libères pour qu'il aille tomber dans les pommes dans la rue, c'est ça? Je vous jure, hein. Oui, alors que le médecin, lui, il a pris 23 euros, hein, c'est ça? Oui, bien sûr. Excusez-moi. C'est quoi le petit caca que tu peins? Alors, le petit caca que je peins. Non, ça laisse tout en séparé.
Alors, hop là. Je réponds en même temps. Il fallait que je le montre, hein. Fallait encore que je montre la photo, hein. C'était un écueil cool au pire. Ouais, bah oui, c'est ça. Hein. Bah, c'est ça. Je crois que dans le sud-ouest, on est à peu près à la même chose. On est à un truc qui ressemble. Genre, bah, en fait, il n'y a rien de saturé chez nous du tout, quoi. Là, globalement, il y a aussi la tante de mon père qui vient de décéder après avoir eu le Covid. Elle a eu le Covid, elle a été soignée. Et en fait, ils mettent ça sur le dos de l'affaiblissement suite au Covid, elle avait 90 et quelques, quoi. Ouais, non mais il y a ça aussi, alors. En fait, c'est qu'il y a un juste milieu, hein. Ouais. Il y a en effet des personnes qui sont touchées, il y a des personnes qui en souffrent. Au même titre qu'il y a des personnes qui peuvent souffrir de la grippe, c'est sûr que ben, dans le sens où c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à transmettre, parce que chaque année il y a pas mal de décès suite à des fatigues dues à la grippe ou à des choses comme ça. Donc en fait la parano elle vient pas forcément de là, le côté complotiste vient pas de là, le côté en fait c'est pas du côté complotiste, c'est du côté vraiment les solutions qui sont prises enfin les actions qui sont prises ne conviennent pas en fait. Parce qu'on sent que elles sont toutes les unes à l'encontre de les unes des autres. Et que c'est pas correct. Non, non, c'est même que c'est pas correct sur la façon dont c'est réglé, régulé, tu vois, c'est là où le bât blesse en fait. C'est là où on va pas être d'accord.
c'est que on a un gouvernement qui malheureusement il va, enfin un gouvernement, des gouvernements, parce que on va parler de l'Europe hein, en soi-même, qui prend des décisions et qui sont pas correctes. Et je dis pas que je ferai mieux qu'eux. Hein. Je remarque juste que c'est pas correct. Voilà. Et en fait, c'est là-dessus, tu vois, où on peut émettre des... la situation en elle-même, on sait qu'elle est là, qu'elle est pas simple, qu'elle est dangereuse, que... Enfin, dangereuse, à un certain niveau. Le principe n'est pas la négation du trouble qu'il peut y avoir, c'est de la façon de régler les choses en fait qui est pas. Et c'est là-dessus en fait où, où en fait on ne sait plus. C'est toujours pour ça en fait hein, que c'est poussif quoi. Non, et puis, on a par rapport, on n'a pas la même écoute et la même réaction de par notre culture, de par notre travail, de par comment est-ce qu'on vit au niveau de la culture, au niveau de tout ça. Il y a beaucoup de... En fait, il y a beaucoup de... Il y a vraiment des opérations en demi-teinte, en fait, tu vois. Il y a... Comment expliquer? On te dit des choses, elles sont pas assumées. On te promet des choses, elles ne sont pas assurées. Et c'est toujours un petit peu la... On n'a pas la même gestion en fait de rapport au gouvernement non plus. Et le gouvernement n'a pas le même rapport par rapport à nous. Donc ça fait que c'est complexe. C'est ça, la magouille qui est lourde, ouais, c'est ça. C'est tout ça, en fait. C'est tout ce qu'il y a derrière, en fait, qui est moche. Mais on parle pas de ça, en fait, hein. C'est... On ne te parle pas forcément de ce qui a été dit par Raoult. On le sait, en fait, depuis des années, en fait, la manipulation des chiffres, comment sont présentés les chiffres, comment sont manipulés les chiffres. Comment est-ce qu'on en profite pour te faire passer toutes les décisions de manière assez, assez sale, en fait, à l'envers. C'est plus compliqué que ça encore, hein, Célestou. Parce que cette décision, elle est prise non pas au niveau français, mais au niveau européen aussi. Hein. Et c'est pas une question de se prostituer. Parce qu'on se prostitue, hein, mais on se prostitue à un autre niveau et on n'a pas la...
On n'a pas. On, les richoux, en fait, de France n'ont pas le civisme, la conscience civique que peuvent avoir celles des Américains. Parce qu'on pourra dire tout ce qu'on veut par rapport aux Américains, mais les grosses entreprises américaines travaillent pour les États-Unis, sont pro-États-Unis, donc vont tout faire dans le sens des États-Unis et du gouvernement. À l'inverse, nous, notre gouvernement va tout faire dans le sens de nos gros civis. C'est assez complexe, tu vois. Au niveau lien, il est compliqué. Parce que tout ça, à partir du moment où on parle de gros sous, de toute manière, on parle de quelque chose de très virtuel. Et toutes ces économies qu'on t'annonce qui sont faites dans un sens ou dans un autre, n'en sont pas vraiment en fait. Non, 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 non. Alors, le fantasme, c'est l'estou, le fantasme américain, il n'est pas là. Hein. Je fantasme pas du tout les Américains, je les envie pas du tout. Ça, c'est un truc aussi qu'à comprendre. C'est, je suis pas du tout pro-Amérique. Oh là là, oh là que non. Je pense que leur système est aussi biaisé que le nôtre. Mais par contre, le nôtre est tout aussi biaisé que le leur dans d'autres causes sens. Tu vois, c'est comme j'apprécie énormément de travaux. Je te permets pas hein, de non plus de. C'est pas. Je suis désolé, Céleste, tout. C'est pas cool non plus ta façon d'interpréter. Par exemple, j'ai adoré par exemple dans le système anglais le principe que tout est payé à la, au moment de ta paye, tout est prélevé. Donc ça fait que finalement, en fait, t'as pas de risque de perte. T'as tout un système derrière, en fait, de système où, par exemple, tu vas chez le médecin, tu ne payes rien. Tu ne payes rien. Tu vas en clinique, tu payes, mais tu vas chez le médecin, tu ne payes rien. Tu ne sors pas d'argent de ta bouche, pour, de ta poche pour pouvoir attendre d'être remboursé. Il n'y a pas ce système-là. C'est-à-dire que tout est prélevé directement sur la source, sur ce qui est payé. Donc tout ça, au niveau administratif, est vachement bien fait. Ce qui fait que ça crée une proactivité. Nous, on est dans une réactivité, eux, ils sont dans une proactivité. À côté de ça, ils ont des systèmes qui sont complètement atroces. Les Américains ont la même chose. Ils ont des trucs qui sont vachement bien. Et par contre, j'admire, en effet, leur civisme, leur envie d'être patriote. Quelque chose que moi je ne pourrais pas avoir culturellement, ce n'est pas possible pour moi. Tu vois, c'est. Va y avoir des trucs bien chez tout le monde et des trucs mal chez tout le monde. C'est une question d'équilibre. Et il n'y a aucun pays à l'heure actuelle que je vois qui me donne envie d'y être. Moi non plus. Je voudrais même pas être au service santé, tu vois, aux États-Unis. Il y a plein de choses qui sont pas OP. C'est à mon niveau, je ne pourrais pas avoir le travail que je fais aujourd'hui dans un pays comme les États-Unis. Je ne pourrais pas. Ce n'est pas possible. Tu vois, c'est donc il y a attention à ce que l'interprétation que j'ai. Je pense que par contre, à notre niveau. Nous avons une réaction face au Covid et qui est compliquée. Je pense qu'on est très mal en France. Au niveau du Covid, je pense qu'on est très mal. Sur d'autres choses, je pense qu'on est très bien. Sur la gestion même de la maladie, je pense que nous sommes très mal. Voilà. Non, mais bien sûr. Et je parle surtout pour avoir vécu dans des pays étrangers toute ma vie. Hein. Toute ma vie, toute mon enfance. Donc j'ai été dans plusieurs pays avec différentes catégorisations. J'ai été dans des pays plus ou moins privilégiés. Donc je sais de quoi je parle, je sais de quoi ce que je vois en fait, hein, et je sais comment je le vis. Eh ben je ne suis pas d'accord, Célestou, parce qu'en fait cette crise actuellement que tu dis européenne, à l'heure de la mondialisation, en fait, elle touche partout, et n'en serait-ce que
la production de produits venus d'Asie actuellement. Que les transports. Aujourd'hui, aucun trouble qui touche une histoire de pognon est localisé. De toute manière, ce n'est plus possible. Les investisseurs n'ont pas attendu le Covid non plus pour se barrer, hein. Ça va déjà faire 40 ans, hein, qu'ils se barrent, hein. Ah si, ça fait depuis 69 qu'il se barre. Et oui, Alti. Allez. Et donc, pour changer de sujet, parce que moi personnellement, après parler politique pendant des heures et surtout tourner en rond sur des choses où nous n'étions pas d'accord, pas toujours envie. Hein. La politique, ça va vite me saouler. Ouais. Et ouais. Écoute. Je lâche l'affaire. J'ai pas envie d'en discuter. Et c'est pas le fait que je pense que tu as raison ou quoi que ce soit, ou je pense que j'ai raison, que je vais rester sur une discussion. C'est pas ça. Voilà.
Et donc, c'est toi qui as raison. C'est toujours toi qui as raison, monsieur. Non, c'est Rémi qui a ça. C'est ça. Et donc, sa polémique à mort, Narvek. Aujourd'hui, c'est la journée de la polémique. Mais comme il fait pas beau, encore 2 jours, et qu'après c'est le beau temps, tout le temps ici, dans le sud-ouest, qu'on va enfin retrouver le soleil, j'essaye de l'apporter déjà un petit peu. Comment ça va, petit Narvek? On a des jeux et encore des aides sociales. Profitons, exactement. Moi, ça va depuis que je suis tout petit, hein, que je rêve de vivre dans. On avait eu un moment, une envie avec un groupe de potes, de monter un village GN qui fonctionne le plus en autarcie possible. Et c'est vrai que c'était assez rigolo. Et donc ouais, Narvek, aujourd'hui, comme tu peux le voir, on est encore en train de faire des linings sur des petites figurines. Oh, c'est pas ouf, hein. Oh là là. Oh, je fais vraiment de la merde en plus. J'aime vraiment pas ce graphe là. C'est vraiment pas ouf, pas ouf. Hop, excusez-moi, je coupe le micro. Dans la cuisine de l'Airbnb pour le chauffage du plâtre. Alors ça doit être peut-être ma mère l'a peut-être bougé dans les autres affaires à côté, mais ça doit être dans l'Airbnb normalement. Ah, mon micro était pas. Ah, mais oui, mon micro était pas coupé. Ah oui, j'ai coupé l'autre. J'ai coupé le mauvais. C'est pas grave. Soixante bandes pour aller bosser. Eh ben, ouais. Alors déjà, ça me saoulait quand j'en tapais 40 quand j'étais à Paris. Le chauffage est dans l'Airbnb. Et oui. Non, c'est bon. Bom 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 bom. En 60 bornes pour ouais 25 pour un entre ah 25-30 ici Londres. En 25 à 30 bornes, ça va. Ça va, ça va. Et c'est pourquoi Narvek? C'est bon pour les
j'ai pas encore fait assez d'escape pour avoir des mots de passe dans tous les sens. Ça n'avait aucun but sexuel. Technicien de maintenance polyvalent sur site. Oh! Ça, c'est du titre ronflant, ça. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est faire le ménage, mais en même temps aussi réparer comment dire, le matériel de pointe électronique. Et faire à manger. C'est ça? Ah non, maintenant c'est de la transformation. Faire à manger, c'est de la transformation. Ménage et réparation, c'est ouais, ça pourrait. Plomberie, électricité, menuiserie et tout ce qui concerne la maintenance du bâtiment, en gros. Ok. Ça marche. Ouais, je finis les noirs comme ça, et après je vais faire le lavis brossage, je pense aussi, ouais. Comme ça, on n'en parle plus. Je déteste ça, hein. Mais là, en fait, j'ai vraiment l'impression de faire de la chaîne pour faire de la chaîne, et je la fais mal en plus, tu vois. Je suis vraiment pas satisfait du tout du rendu. Exactement. Au début, il te traite comme de la merde, mais à partir du moment où tu lui dis « je le fais quand j'ai le temps », à ce moment-là, il te paye le café et le chocolat. Et les truffes. Toi, Norvec, t'es dans quelle région? Délicatessen. Il y a pareil, bah, j'ai Barin. Ok. Barin, c'est Nancy. Non, c'est Strasbourg. Oh, 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 l'erreur que je viens de faire. J'ai failli finir décapité là. Et donc, qu'est-ce que vous avez prévu de beau ce week-end? Oui, mais si le confinement, tu peins ? Mais oui, chanson indémodable comme on le dit, qui n'a pas.
Sinon, tu peux aussi jouer à Cthulhu Death Medaille. Lui qu'il est bientôt fini. Ouais. Non, il n'est pas encore midi, il n'est pas encore midi, il est 11h15. Alors, je vais tester. Ah, la Sandunghera. Ça, c'est bon, la Sandunghera. Je sors les armes lourdes, les gars. Heureusement que Cool n'est pas là. Parce que sinon, il se foutrait de ma gueule. Ça y est, je craque. Je craque. J'ai craqué. C'est le mal. Voilà. On vient d'apprendre que Rémi travaille sur une figurine pour un jeu où il y aura des fourrures. Ah pardon, c'est un jeu illustré par Adrian Smith. Ça peut être n'importe quel jeu, ça peut même être japonisant. Salut Seb, comment vas-tu l'ami? Ça peut même être japonisant, il n'y a pas de problème. Il arrivera à te coller des figures, des fourrures et des crânes. Je pense qu'il doit y avoir des crânes aussi Rémi. Ok. Bon. Alors, comme c'était la Sandunghera, forcément, que c'est un morceau qui est très, très, très connu, Facebook vient de strike El Profé. Ah, ça se rentabilise sur le volume, hein. Je viens de recevoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
d'emails d'accusés de réception de ma demande, enfin de mon actualisation de situation chez Pôle emploi. Arinama. Puissant. Ah, d'accord, ouais. Sachant que ce sont des DA qui sont... Sachant que ce sont des DA qui sont même pas sûrs finalement de sortir. Enfin, le jeu n'est pas sûr de sortir toujours, hein. C'est ça, hein. Ou ta figurine d'être sélectionnée parce qu'elles sont bossées en avance. Quand tu dis bosser, tu comptes aussi les dialogues que tu peux avoir avec la boîte mère ou des trucs comme ça ou... Ok. C'est génial. Non, mais c'est génial. Ça. Après, voilà, il a. Ça n'a pas été sans contrainte au début. Il faut te faire reconnaître. Enfin, voilà, il y a quand même des choses, quoi. Hein. Ouais, bien sûr. Bah, ça a été au niveau de du travail, ne serait-ce que sur la gestion de la Ludo ici, j'avoue que ça a été un petit peu la même. C'est-à-dire que les 2 premières années, j'étais à peu près à 70 heures par semaine. Sachant que le tarif, c'est pas 1800 brut hein, ici, hein. C'est 900 net, hein, globalement. Mais pour le lancement, voilà, on a dû taffer comme ça. Et maintenant, en fait, je me suis limité à un trois quarts temps au niveau taf administratif. Et le reste, après, c'est du bénévolat. Et le bénévolat inclut ce que veut dire bénévolat. C'est-à-dire que j'ai envie, je le fais. J'ai pas envie, je le fais pas. Voilà, c'est
Je fais l'administratif, les trucs comme ça, ok. La gestion du local, mes fiches de... Mais ça me prend 27 heures et après le reste, c'est du bénévolat. C'est des choix. Mais bon, à côté de ça, je fais un travail qui me plaît énormément. Je suis payé à donner du plaisir aux gens à jouer, tu vois. Et à créer des animations autour du jeu. J'aime ma vie, hein. Bien sûr. Je me suis vu travailler au départ quand j'avais 20 ans. Je faisais des chantiers. Et les chantiers, je commençais à 6 h le matin, je finissais à 18 h le soir. Je faisais parfois jusqu'à... Parce que c'était début des années 2000. Et il n'y avait pas encore de grosses interdictions de produire des heures sup. Et on se faisait mais des heures sup de taré. Alors je rentrais à la maison, je dormais. Je mangeais ma plâtrée de pâtes le soir et je m'affalais, tu vois. Tout. Bam. Vie sociale, zéro. Hein. Le week-end, je dormais. Le week-end, je jouais à WoW et puis je dormais. J'étais mort de chez mort. Et par contre, ouais. Je gagnais bien de l'argent. Donc après, ça m'a permis d'acheter une maison. De cette maison, ça m'a permis de la revendre, d'en racheter une autre. Enfin voilà, ça a été. Mais ouais, ça a été des choix. Bien sûr. Et c'est dingue aussi ce que l'être humain est capable de se faire subir lui tout seul, hein, aussi. Hein. Oula, oulala. Ah ouais, non, les... J'ai vu ça, j'ai fait une formation d'ingé son en 2006 ou en 2007, dans ces eaux-là. J'ai fait une formation d'ingé son et j'ai vu le monde que c'était. Un monde de requins. Globalement, que pour pouvoir atteindre la place que tu veux, faut que tu marches et que tu craches sur tout le monde et que tu montres que c'est pas, tu fais pas un meilleur boulot en fait. C'est que tu montres que l'autre fait un moins bon boulot que toi. Pour pouvoir atteindre ce que tu veux. Et je suis parti. Bien sûr, mais ouais, bien sûr, Rémi. Ça, c'est un truc aussi. Et... Je vous demande, s'il vous plaît, on a bouillard. On a bouillard pour Monsieur Matt. C'était notre, bah, c'était l'ami de Matt en fait qui me formait, qui m'a formé et j'ai juste vu en fait, hein, j'ai juste vu, je suis reparti. Lui, il faisait son audio en fait, il avait monté son propre studio d'enregistrement et il travaillait en MJC. Et moi, je voulais essayer de comprendre et essayer de me former avec. Et quand j'ai vu l'univers qu'il y avait derrière, je me suis dit, waouh, waouh, ça va, monsieur Matt? Comment ça va? Bonsoir.
Antenne du Front National, j'écoute. Comment tu vas? Comment va la région parisienne? Comment ça va d'enfer Rochereau? Comment va ta maman? Et grave que ça fait plaisir. Après, tu comprends aussi que l'univers fonctionne aussi un petit peu au réseau, hein. Tu te développes un bon réseau, tu arrives à montrer que tu vaux le coup, et finalement, à la fin, ça finit toujours par payer. La gentillesse finit toujours par payer à un moment ou à un autre. C'est plus long. Mais finit toujours par réussir. Ça fait trop plaisir en tout cas, monsieur Matt. Ah, tu l'embrasseras de ma part, s'il te plaît. Et le jour où elle veut du piment d'Espelette, je lui en envoie. Oui aussi. Faut savoir. Je viens à nouveau de recevoir. Et Pôle emploi, ils sont ouf aujourd'hui. Ils me renvoient la même demande d'actualité, la même accusé de réception de mon. Mes parents vont très bien, ils étaient à la maison hier. Donc c'était très très cool. Tiens, attends, je te montre, 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 je te montre. Monsieur U va se foutre de ma gueule. Monsieur U, t'es prêt à te foutre de ma gueule. Regarde mon mat. Tu t'es pété la clavicule par contre. La rencontre avec Jalan. Ouais, deux petites chevrettes, elles ont. On est le combien? Elles ont 18 jours. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé, lui? Connard, monsieur. Merci, monsieur. Au fait, c'est Terminator. Quel Terminator? Les socles de quel Terminator? Quel Terminator? J'ai pas fait de Terminator. Qui a fait des Terminators? Pas moi. Monsieur connard. Ouais, peut-être. On n'est pas dimanche.
Ah oui, pardon, oui, les socles, fallait que je te demande le nombre. Ah oui, il fallait que je te donne le nombre. Ah. J'ai pas regardé. En plus, Matt, il vient le seul jour où je fais vraiment de la merde au niveau peinture, quoi. Enfin, plus que d'habitude, quoi. Et donc, ouais, bonhomme, tu t'es cassé la clavicule, mais tu bosses toujours en lycée, en fait? Et comment t'as fait pour casser la clavicule, dis-moi? T'as fait le con? Oui, en ESAT. Et c'est en ESAT que tu t'es pété la clavicule? T'as fait du sport, c'est ça. T'as voulu faire fonctionner ton petit doigt, hein? C'est ça. Ouais, mon lapin, faut que je te dise vite. Non mais tu fais très bien, hein. Aïe. Merci Rémi, merci d'avoir suivi aujourd'hui. Je te fais des bisous. Tu fais des bisous aux petites. Tu leur parles de mes sextoys si tu veux. Le frangin. C'est jamais en fait trop de parler du frangin parce que je sais que parfois ça t'énerve, donc c'est pour ça aussi. Mais comment il va le frangin? J'ai plus aucun contact avec personne quoi. Grosoul, Cyril, Bastien, Ben. Même Gallo, j'ai plus de nouvelles. De la douche. Bah vous allez pouvoir débrief de votre dernière partie de Solomon Kane alors. Histoire de créer l'hype. Ce week-end, Solomon, j'ai encore 2 jours de fourrure avant. Rémi, en fait, c'est le meilleur pote de la fourrure. Hop là, allez, j'en ai fini avec eux là. Je veux pas dire, mais on a fait du stock quand même, hein. Vous avez vu? Ça, c'était aujourd'hui. Hop, prends cette galère.
Ça, c'était hier. Ça, c'est le problème des jeux à pions, hein. Yes, nice. Ça, c'était hier. Allez, 100 balles. Et ça, c'était mardi. Alors, quel morceau? Je viens de lui demander un groupe. Hop là. Ouais. Là, on a eu, tu vois, j'ai fait des gros trucs. Il n'y a pas si longtemps. Non, parce que quand même, faut dire que Monsieur Matt, il m'a vu enchaîner les brossages à sec sur des fourrures aussi, tu vois, quand je savais pas peindre du tout. Maintenant que je sais peindre un petit peu plus, ça va mieux. Sauf qu'aujourd'hui, je fais du brossage, tu vois. C'est le jour où Matt y revient, c'est le jour où je fais du brossage, quoi. Des bisous, monsieur. Merci à toi. Passe un excellent week-end. Peins bien. Et n'hésite pas à continuer à nous envoyer des petites photos de petits cultistes, s'il te plaît. Je l'ai pas là parce qu'elle est dans une boîte et j'ai pas envie d'aller chercher. Attends, je dois en avoir une dernière là que j'ai fait aussi, que j'ai trouvé, enfin que j'adore. Est-ce que je l'ai gardé là? Bah écoute, ça te fera un troisième trou, hein. Ah bah voilà. Moi je demande du palo et pas de palo.
Oh! Avec la clavicule, ouais, en fait, Altea n'a pas le son. Alors moi les projets pour ce week-end. Alors ce week-end, cet après-midi, je vais faire des courses pour les travaux. Demain, je déménage un meuble pour ici. Demain après-midi, je vais chercher du foin pour les chevrettes. Dimanche, un peu de repos, ça fera pas de mal. Lundi, travaux. Mardi, travaux. Ouais, ça va être un petit peu ça va être un petit peu semaine course. Là, vous voyez, j'ai déjà mes trucs. J'en profite pour vous rappeler, n'oubliez pas que sur le Discord, vous avez un emplacement en fait où parce qu'on veut renouveler un petit peu le setup du stream. Donc vous avez un emplacement, un chan où vous pouvez donner les informations afin de nous aider, de nous améliorer. Donc en fait pour cela, vous allez directement sur notre Discord, vous allez dans conseils machin et dedans vous pouvez croquer un petit peu qu'est-ce que vous voulez voir apparaître à l'écran, nous dire ce que vous voulez voir apparaître à l'écran, nous dire pourquoi vous venez sur le stream, qu'est-ce que vous n'aimez pas sur le stream, qu'est-ce que vous aimez bien sur le stream. Tout ça en fait, voilà, c'est tout ça. À 25 ans, merde. Oh, tu fais dans la jeunette. Allez. Alors, il nous reste en rouge. En jaune et en violet. Je pense qu'en jaune et rouge, je vais faire du gros badigeonnage d'Agrax. Ça c'est 25 ans, hein, ça va? Je cherche, je cherche, je cherche, je cherche, mais je sais pas, on a un petit poète, parfois il y a des morceaux qui disparaissent, donc je
Ouais, et qu'est-ce que vous faites de beau maintenant, mon Maximat, au niveau gaming, vous continuez un petit peu, vous vous retrouvez un petit peu? T'as des nouvelles de Valentin? Moi, zéro. En galop, je sais qu'il y a un gamin et qui donne pas de news et que voilà, comme d'hab. Et alors? T'en stack, hein? S'en bat les steaks. Tu peux être son daron, et alors? C'est la vie? Rouge, jaune. Ouais, il va falloir que je rebadigeonne le rouge, que je rebadigeonne le jaune, et ensuite seulement, parce que là on voit que l'aéro il en finissait. En fait, j'avais fait une session aéro où j'avais fait. Faut que je lui lance un cœur, faut que je lui envoie un cœur, faut que je lui envoie un cœur. Comment est-ce qu'on fait les cœurs? Oui, Galo a un gosse depuis un an, hein. Un an et demi même peut-être. Oui, mec. Ouais, excusez-nous, hein, c'est vrai qu'avec le mat, on se voit sur le stream et en dehors du stream une fois ou deux par an. Donc on en profite pour se refiler un petit peu les news de la vie, quoi. Donc ouais, donc je disais, ouais, le truc c'est que j'avais fait une session aéro où j'avais fait avec Virginie. Je sais aussi que Thomas il est descendu dans le sud à Bordeaux, Prémont, mais pas de nouvelles depuis. Je lui ai envoyé plein de messages. En plus, il habite à 2 heures de la maison, mais que dalle. Et voilà. Donc ouais, donc plein de. J'avais enchaîné sous couchage de 200 figurines à peu près, puis après j'avais fait les couches de base des golems. Et ouais, et on sent que ça affaiblit quoi. Ça affaiblit parce que vous regardez les dernières figurines. Globalement, je pense que l'aéro crachait à mort et que moi j'en pouvais plus d'avoir le masque sur la gueule. Ça devait faire 2 heures, 2 heures et demie que j'étais dessus. J'ai fait ouais, basta. Du fait du Sea of Thieves. Eh ben écoute, j'ai pas réussi moi ce jeu-là. Je me suis dit c'est un jeu en multi et comme tous les jeux en multi actuellement, j'ai pas l'occasion. De quoi? Valheim? Non, Sea of Thieves? Non, 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 je l'ai pas. J'ai hésité à une époque, en fait, à le prendre. C'était Razek d'Anbergen qui jouait un petit peu au moment où il était sorti, en fait, hein. Mais mon temps de jeu de société, en fait, est réduit. Enfin, de jeu vidéo est réduit à peau de chagrin. Mais vraiment, hein. Je cherche. Ça, c'est horrible, ça. J'en ai marre de chercher de la peinture. Je reviens. Avec un perroquet, un bateau, tout ça, bah ouais. Ouais.
J'avoue que sur papier, ça vend du rêve. Hein. Le temps de jeu, par contre, me vend pas du rêve. Le fait qu'il fasse se coordonner avec d'autres personnes. Pour avoir l'intérêt de jouer, en fait, c'est aussi... C'est pas que j'aime pas, au contraire, j'adore ça. C'est juste que c'est compliqué. Hop là, j'ai retrouvé le rouge. Allez. Mégalodon Kraken. Et t'as réussi à te trouver. Enfin, tu joues peut-être avec, avec Ban, finalement. Ou en tout cas, t'as un groupe pour jouer avec. J'adore cette chanteuse, en fait, elle a un sourire dans la voix, quoi. Quand tu l'entends chanter Leslie Cartaya, elle a quelque chose. Yes. Ouais. Ah, mec, en fait, tu te rends même pas compte à quel point j'ai pas le temps de jouer. Enfin. Je pourrais, hein. Je pourrais trouver le temps, mais j'ai... Clairement, c'est pas dans mes prios. Entre la peinture, là, les travaux de la ludothèque, c'est un truc de dingue. Là, c'est génial, hein. J'essaye de passer aussi un petit temps tranquillement avec les écouteurs sur les oreilles pour faire de l'écoute musicale. Pour que, au retour, je puisse passer de la musique en soirée. Ah. Actuellement, je me suis mis Valheim. Je fais du Valheim en comment dire, dans un coin, tout seul, en jouant tout seul sur mon petit serveur, comme ça à l'arrache, pour passer le temps. J'ai coupé du bois une demi-heure et puis voilà, puis ça me suffit. Mais c'est pareil, j'ai le temps de jouer avec personne, en fait. C'est vraiment, c'est ça me prend un petit peu comme une envie de pisser et je vais dire ok, je vais jouer là maintenant tout de suite, 5 minutes quoi. Tu vois, c'est... Je me fais une journée et puis j'éteins l'ordi. Ça s'arrête là. Et c'est vraiment juste histoire de cliquer et couper du bois. Hein. Bah, il est cubique mais il est cool. Franchement, il est cool. Il y a... Si vraiment je veux prendre un petit peu de temps pour faire la même chose et pour jouer, je pense que je vais me faire Medieval Dynasty.
Ouais, il est sympa. Medieval Dynasty, il me plaît beaucoup. Mais pareil, je veux y passer un petit peu du temps. Et comme je sais qu'actuellement, ils sont vraiment en train de le faire, en train de le faire évoluer, je mets pas les doigts dedans parce que je me dis que je veux y jouer une fois, pas 10, quoi. Qu'il y a ça. Bon, là-dessus, on se rapproche de midi. Moi, je vais devoir filer parce que la déchette, elle ferme à 1 h de l'après-midi. Donc, il faut d'abord que j'aille à la déchette, puis que j'aille aller ensuite à Castorama, puis peut-être à Arthur Leroy. Enfin, Arthur l'Enchanteur, pardon. Le roi Merlin, quoi. Puis, faut que je rentre pour, pour commencer à agrafer comment dire? Pour commencer à agrafer de la laine de roche. Puis après, s'occuper des chèvres. Donc, c'est vrai que. Oui, on a du taf. Chivalerie. Non, toujours pas. Chivalerie, vraiment, toujours pas. Puis il faut compter les socles en plus. Et oui, il faut compter les socles. Je te dis pas que je te dis ça dans le week-end. Mais j'essaye. Je vous remercie à tous d'avoir été là. Ça a été une super matinée, encore une fois. Discussion autour de Polynique, discussion autour de Covid, autour de sculpture sur figurine, de peinture, de jeux vidéo, de Alter qui cherche un mec, tout en étant pharmacienne. Tout ça, tout ça, tout ça. Le retour de Maximat, les yeux de Monsieur U. Enfin, et encore un mail de Pôle emploi pour me faire un accusé de réception de ma demande d'actualisation. Bah oui, t'arrives sur la fin, mon petit Maël. Je te fais des gros bisous. Gros bisous à toi. Passez une excellente journée, il est midi. Moi, il faut que je me casse. Donc, passez un excellent week-end. On se retrouve mercredi matin pour de la peinture sur figurine. On fera du Joan of Arc de 10 h à midi. Mercredi, jeudi, vendredi. Donc, on est sur Joan of Arc. Et encore un mail de Pôle emploi. Toujours le même, hein, c'est le même en boucle. Pôle emploi m'envoie le 14e mail en boucle le même pour me dire qu'en fait ils ont bien reçu ma demande d'actualisation. Monsieur Rémi, ouais, on a parlé aussi de sculpture de cape en poil en fourrure, hein, avec Rémi. C'était génial, c'était fabuleux. Et oui, et oui. Donc passez une excellente fin de journée, un excellent week-end. Bon potassage de règles de Solomon Kane, mon petit Rémi. Maximat, bon pirate, hein. Célestou, on fait du décompte. Monsieur U, peint des yeux. Altea, des bisous. Qui est dispo? Où ça? Non, Altea, c'est une connerie. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Je te jure, ne fais pas ça. Allez. Ah, Rémi, tout à l'heure, Altea demandait. C'est où chez vous? C'est dans le nord. Allez. Non, c'est le nord. Rémi, c'est le nord. C'est au-dessus de. Ouais, quel enfer l'Est. C'est ça. Complètement. Restons dans le sud-ouest. Le sud-ouest, c'est le bien. On a la mer, on a le soleil et on a les Pyrénées. Ouais, Montpellier, il n'y a pas l'eau. C'est moins cool. Il y a moins de pluie. Des bisous, bye bye à tous.